Voilà que je vois ma mère. Voilà que je vois mon père. Voyez les voilà qui m'appellent. Voyez les voilà qui m'appellent. Voyez les voilà qui m'appellent. Cet arc est un peu grand pour toi, non? Ma mère me l'a fabriqué. Elle a dit qu'il m'irait plus tard. Retrouve les tiens. Tu es libre. On emmène ses cendres sur le plus haut pic des royaumes. Ses cendres? C'était son dernier vœu. Où devons-nous aller? Dans un royaume, bien loin du tien. Je suis le seul homme au monde à pouvoir vous mener là où vous avez envie d'aller. On m'appelle Mimir, l'homme le plus intelligent qui soit. Vous devez commencer par me couper la tête. Quoi? Cette hache que t'as là, tu dois la manier avec grâce. Je sais que tu es un dieu. Pas de ce royaume, mais je sais que j'ai raison. Il ne sait rien, pas vrai? Sur votre vraie nature, ou la sienne. Plus tu tarderas, plus il sera blessé. Il t'en voudra et tu pourrais le perdre à tout jamais. C'est ton tour! Je vais t'arracher la tête! Tu es un dieu et lourd de conséquences! Pourquoi? Comment tu le sais? Comment tu le sais? La puissance de cette arme, de toutes les armes, vient d'ici. Mais seulement si elle est maîtrisée par ça. Par la discipline, la domination de celui qui la manie. Cette porte! On a besoin de toi! Ce n'est pas une maladie ordinaire. La vraie nature de ce garçon, ta vraie nature, se bat en lui. Alors je suis un homme. Comme toi. Non. Nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes plus que ça. Nos responsabilités sont gigantesques. Tu peux tuer un truc aussi gros? Ce regard m'a tout cassé, hein. J'en ai trouvé. Monte dans le bateau, Atreus. Tu veux toujours que je l'attache au bateau? Bien sûr, quelle idée.
Atreus. Ça suffira. Descendre la rivière. Père ? Quoi ? Quelque chose a changé. J'ai l'impression que la forêt est différente. Tout est différent, mon garçon. Essaie de ne pas y prêter attention. D'accord. En fait, c'est ça le jeu. C'est un bûcheron. Bah ouais, il y en a plein en plus. Voilà. Voilà que je vois ma mère. Voilà que je vois mon père. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. J'ai peur, hein. Elle est prête. Pleure pas, gamin. C'est un bûcher en fait. Ouh. Ça commence bien l'histoire.
suis désolé. Serre. Ce couteau, c'était le sien. Il est à toi maintenant. T'as appris à chasser ? Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant ? Maintenant. Qu'est-ce qu'on chasse ? Tu chasses le cerf. Où ça ? Là où se trouve le cerf. Oh ouais. D'accord. Bien dit. Par là. Chasser avec Atrus. Père, pourquoi on fait ça maintenant ? Je dois m'assurer que tu peux survivre au voyage. Après, on ira vers la montagne. Ça dépendra de toi. Allez, qu'as-tu trouvé ? Des traces, mais pas de cerf. Je vais continuer à chercher. Attends ! Tu as raté celle-là. On se rapproche. Mais c'est pas un cerf. Tu vois ? Le bout est trop large. Une chèvre sauvage, peut-être. Ta mère t'a bien appris. Oui. Un bateau. Encore des traces ? Oui. Mais elles sont trop rondes. C'est peut-être un sanglier. Bien. Oula ! Et maintenant ? Bah, tu sautes. Voyons. Par ici, Atreus. Hop ! Atreus. Oh. Attends, des traces de cerf, elles sont fraîches. Par ici ! Pas si vite, Atreus. Désolé. Tu chasses le cerf. Ce n'est pas une course. Oui, père. Il a cassé le pont. Comment on va faire pour traverser ? Écarte-toi. Waouh ! Vas-y. Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Le voilà ! Attends ! Oh ! Qu'est-ce que tu fais ? Maintenant, il va se méfier ! Tu ne tires ! Tu ne tires que quand je te dis que tu peux tirer. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Oh. Trouve-le. Trouve-le.
regard. Ils s'aventurent pas si près de nos bois d'habitude. Avant. Là-haut. Il est entré dans le vieux temple. Mais maman m'a dit de jamais y aller. Nous faisons ce qui nous plaît, Atreus, sans exception. Bon bah, allons-y, hein. Regarde. Tu peux me rendre mon arc maintenant? Tu peux l'atteindre d'ici. On devrait se rapprocher. Réfléchis parfois. Maman m'a emmené chasser plusieurs fois. Mais toi, t'as jamais voulu. Pourquoi le faire maintenant? C'était ce qu'elle voulait. Et le moment est venu. D'accord. Droger! Coucou! Possible ça. Tu l'as figé. Pas bête. Du coup ça va s'ouvrir. Bien joué. Où est-ce que tu vas? Je crois qu'il est parti par là. Ah mais un gazard flotteur. C'est quoi? Il n'en a plus l'utilité. Nous si. Regarde. Attends mon signal. Détends-toi. Essaie d'oublier que c'est un animal. Ce n'est qu'une cible. Vide de ton esprit. Détends ton bras et inspire. Oh, je l'ai eu. Bien. Il est encore en vie. Fume-le alors. Quelle question. Ton couteau. Non. Finis ce que tu as commencé. Il est beau avec cette corne, c'est juste bleu. J'y arrive pas. Tu quoi? On va vraiment le combattre. On n'a pas le choix.
Ok. Casse la gueule. Ah ouais. Tu casses vraiment la gueule. Tu t'arrives toi. Atreus. Tu crois que j'ai eu peur de toi? J'ai peur de personne. Atreus, regarde-moi. Regarde-moi, Atreus. Atreus. Regarde-moi. On a réussi. Bah ouais. Tu n'es pas prêt. Quoi? Tu rigoles? J'ai trouvé le cerf. J'ai fait mes preuves. Pourquoi je serais pas prêt? Maintenant, on rentre chez nous. J'ai pas été malade depuis très longtemps. Je sais que je peux le faire. Non, tu n'es pas prêt. Je suis prêt. Je ne veux plus t'entendre. Et je t'ai dit de te taire. Pourquoi un troll de feu voudrait brûler le jardin de maman? Et depuis quand les drogars s'aventurent si près de la maison? Et c'était quoi cette chose qui nous a attaqués? Je ne sais pas. Maintenant. Maintenant tais-toi. Allez, et rentre. Voilà. Madame.
Tu t'es laissé emporter. Cette chose voulait nous tuer. Et toi, tu te mets tout le temps en colère. La colère peut devenir une arme. Si tu la contrôles, tu peux t'en servir. Mais ce n'est pas ton cas. Quand tu perds... J'ai pas été malade depuis longtemps. Je vais mieux maintenant. Très bien. Alors vas-y. Tu veux que je te frappe ? Je veux que tu essaies. Aïe ! Pourquoi tu... Recommence. Pourquoi tu fais ça ? Tu es trop lent. Recommence. Mais arrête ! Trop mou, essaie encore. Encore. Ça suffit ! Encore ! Cette colère, tu peux te perdre en elle. La route est longue et difficile. Et toi, Atreus, tu es loin d'être prêt. C'est quoi ça ? Silence. Sors de là ! Ça sert à rien de te cacher. Je sais qui tu es. Qu'est-ce qui se passe ? Tu le connais ? Et mieux encore, je sais ce que tu es. Atreus, sous le plancher. Allez ! Tu m'as toujours interdit d'aller là-dessous. Tu sais qui c'est ? Je n'en sais rien. De quoi est-ce qu'il parle ? Aucune idée. Rentre là-dedans. Dis-moi seulement ce que je veux savoir. Inutile de faire couler le sang. Je te voyais un peu plus grand. Mais pas de doute, c'est bien toi. Tu es bien loin de chez toi. Qu'est-ce que tu veux ? Oh, je suis persuadé que tu le sais déjà. Peu importe ce que tu cherches, je ne l'ai pas. Passe ton chemin. Et moi qui croyais que ceux de ton espèce étaient sages. Tellement meilleur que nous, tellement plus brillant. Pourtant, tu te caches ici dans les bois comme un sale lâche. Tant que ça. Tu es sûr de vouloir te battre ? Oh. Mais c'est bien pour ça que je suis là. Ah ! Tu aurais dû écouter. Non. D'accord. À mon tour. Ouch. Je suis terriblement déçu. Allez, amène-toi. Pathétique. Ah!
ce que je veux savoir et je te laisserai tranquille. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'is? Ah, faut le défoncer. Non mais où? J'ai touché un point sensible, on dirait. Qui est-ce que tu caches? Tu es vieux et lent, tu n'aurais pas dû venir en garde. Bien, on remet ça? Ah d'accord. Tu parles trop. Ça régénère. Tu refuses de parler? Très bien. La personne que tu caches dans cette maison sera peut-être plus loquace. Ouais. Ah ouais. Voilà.